vlog. Nous sommes mardi 22 décembre. Il est 9h15. Déjà? Oui. Ah oui. Ce matin, on s'est levé vers 7h45. On avait mis un réveil. Je lui ai demandé cette nuit si elle voulait l'enlever. Elle m'a dit non. Donc on a mis un réveil pour se lever un peu plus tôt pour avoir le temps de faire des choses ce matin. Et comme on n'avait pas du tout avancé le vlog hier soir, ouais, en plus, on voulait avoir bien le temps de le faire ce matin. Et comme on va manger, on va déjeuner chez mes parents ce midi, du coup on voulait avoir le temps de faire ce qu'on fait d'habitude le matin, savoir le vlog, mon petit tour et ma séance. Et puis surtout qu'on sait que quand on y va, on ne revient pas avant, avant le lendemain, le milieu d'après-midi. Donc on voulait au moins être sûr de pouvoir sortir le vlog à temps. Ouais. Et donc on a traîné un peu au lit, on s'est levé qu'à 8h30. Et là on a pris notre petit déj, donc la journée peut commencer. Et on va en profiter parce qu'on voulait faire ça dimanche. Mais il manquait quelque chose pour la cuisine. Ah oui, on peut enfin vous dire. Il manquait un blender. On va faire une pâte à tartiner maison. Mmh. On a acheté plein de noisettes. Donc là ce matin, on va les faire torréfier au four. Ensuite, on les emmènera chez ses parents pour faire du beurre de noisette, en fait. On finira, ouais, la pâte à tartiner là-bas. Voilà. Donc, on va vous montrer ça aujourd'hui. Et puis, tu vas? Ok. C'est sympa, on va faire une petite dégustation familiale. Trop bien. Et bien, c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. Calendrier. De quel jour? Nous sommes le 22. Ah! Ah! Enfin! Noël à Paris. Nous entendons. Noir, cerise, pain d'épices, pétales de fleurs, etc. Ben voilà. Et ben on le voit vendredi, Noël à Paris. Le 22 de l'Occitane. Dis donc, tu trouves tout vite. Et ben oui. T'as regardé avant, t'as trouvé. Non. Shampoing micellaire. Voilà. Il est 10h moins 10. Voilà, moi je vais aller faire un petit tour pour me chauffer. Après, faut pas que je tarde. Hein. Moi, j'avance le vlog. Oui, parce qu'après, quand tu rentres, t'as... Musculation. Yes. Pour continuer dans cette bonne lancée. Puis, comme on part pas trop tard, il faut pas tarder. Ok, bon courage. Merci, mon cœur. C'est clair, je vais sortir à ton pull. Il est 11h30. Parfait. Ben, moi j'allais à la douche du coup. Ouais, elle a fait une bonne séance là, c'est bien donné. J'ai pas encore lavé mes cheveux parce qu'il y a encore l'huile hein, d'hier. Tu les laveras ce soir? Ah ouais, ce soir, ouais. Et tu vas prendre une petite douche pour te rincer. Une petite douche fraîche quand même. Puis après on se prépare, moi je finis le vlog, il faut qu'on se prépare parce que dans une demi-heure on est parti. Bon bah c'est parti. Midi. Ça y est, j'ai pris une douche bien froide. On s'est changé. On va y aller. Le vlog est en train d'être exporté. Ouais. On va emmener l'ordi parce que je suis pas sûre qu'on a eu le temps de finir. Donc on emmène les noisettes. Oui. Pour les faire là-bas. Pensé. Non, on n'a pas du tout pensé ni eu le temps ce matin. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait pas pour exporter pour poster un vlog à l'heure? Ça y est, nous sommes arrivés, il est 12h40, nous avons 10 minutes de retard. On est en train de payer. On paye le parcmètre cette fois. Pas d'amende aujourd'hui, pas d'amende. No way. Bon voilà. On va y aller. Allez, je pense qu'on va très très bien manger. On va voir ce qu'on va manger, let's go.
super bien. Hein. Après, comme c'est tout séché, j'ai mis tout brûlé, ça part trop bien. Tu peux essayer. Du coup, là, la poule est brûlée. C'est parfait du tout. Hein? Là, ça part pas du tout. Hein. Bah, on va enlever celles qui sont qui partent. Bon, fail! On a fait 3 pots de pâte à tartiner. Autant vous dire que c'est pas censé être cette couleur là. En gros, on a fait torréfier les noisettes, sauf que peut-être qu'elles cramées. Peut-être qu'elles étaient déjà torréfiées, je ne sais pas. En tout cas, elles étaient cramées. Donc c'est un goût cramé. Donc du coup, c'est de la pâte à cramer. On dirait du café. Franchement, on dirait de la pâte à tartiner au café cramé. Donc on va voir refroidi ce que ça donne, mais ça a l'air d'être dégueulasse. Complètement raté. Voilà, voilà! Super! Il fait nuit. Il est 19h40. On a passé la journée en fait chez ses parents. Oui, comme très souvent en plus quand on est chez mes parents, on arrive à midi et on repart à 19h. Quoi. On est parti vers 7h15. On a déposé sa sœur. Voilà, et du coup là on a chaud aux fesses. On est censé arriver à 20h03. On a exactement... Ah, 04. On a exactement 25 minutes pour rentrer. Ouais. Sinon, couvre-feu... Il va falloir faire vite. On a très bien mangé ce midi. Ah ouais, c'est trop bon. On a passé beaucoup de temps à profiter les uns des autres. On était quand même assez éloignés, on était 5. Donc on a respecté ce qu'il fallait respecter. On fait toujours attention de toute façon quand on va voir mes parents. On n'est jamais très nombreux. Et puis... on ne sait pas trop quand est-ce qu'on se reverra pour les fêtes, tout ça, donc on a profité tant qu'on pouvait. Ouais. Donc voilà. Chouette. Donc espérons qu'on rentre vite. Ouais. Pile poil. Ah ouais. À 20h03, on était dans le parking. Un petit peu débordé. Oupsie. Et donc, c'est une sacrée journée pour nous. On n'a pas filmé grand chose, donc je sais pas, ouais. Ça sera une sacrée journée pour vous. Désolée, mais c'est vrai que là, il y a des moments en famille, c'est plus important que. Ouais. Et puis, on pense pas du tout, et puis, c'est pas très. C'est pas très intéressant. Oui. On a passé la journée là-bas, concrètement. Bah ouais. Là, on va aller prendre une douche et laver enfin nos cheveux pleins d'huile. Tout ce gras, là. Tous nos cheveux bien huilés, ça va faire du bien. Et puis je pense qu'on va pas beaucoup manger ce soir, même on va pas manger. Ah non, on a très très bien mangé. Très bien mangé ce midi. Comme toujours, hein, de toute façon quand on revient de chez mes parents, on mange rarement le soir. Alors, on va déjà aller à la douche. Yes. Ça va faire du bien. Parce que mine de rien, on s'est quand même levé tôt ce matin, on a fait plein de choses ce matin et... Un petit peu fatigué là. La journée elle est passée à une de ses vitesses. Ouais. Bon, pour ce qui est de la pâte à tartiner. Alors, on vous raconte. On a acheté des noisettes. Il fallait 200 grammes pour la recette. On en avait presque le double. On s'est dit, on aura plus. Faisons le double. Non. Si vous faites comme nous, pensez à réserver la moitié d'un côté. Testez d'abord. On a fait torréfier les noisettes, sauf que... ben. On n'avait jamais fait ça. Il fallait les mettre 15 minutes au four à 200 degrés. Ce qu'on a fait. On n'a pas vraiment géré le temps. On n'avait pas mis de minuteur, mais bon. On s'est dit, ça va. T'es pas loin. Sorti les noisettes, elles étaient un peu grillées, quoi. Enlever la petite cosse, je sais pas comment ça s'appelle. Elles étaient un petit peu foncées, hein. Foncées. Quand on l'a passé au robot, vous avez dû voir, c'était couleur chocolat. Ah, c'était vraiment couleur café. Ça sentait le café, c'était un peu le brûlé d'ailleurs. On s'est dit, bon, avec le lait, avec le chocolat, ça va. Ça va passer. Bah non.
C'est pas passé. On les a ramenés quand même. On a essayé, on a fait 3 pots. J'ai essayé d'en mettre un au frigo, voir ce que si en durcissant c'est pas meilleur. On va voir, on va tester. On a du pain, on va tester. Hein. Je pense qu'il faut les noisettes, il faut les torréfier à peine, voir. Et il faut surtout rester à côté. Oui, il faut rester à côté, bien les mélanger, enfin pas faire comme nous. Quoi. Voilà. On a fait votre crash test. Donc moi je m'étais dit qu'on va faire ça parce que ça a l'air super simple. Moi je me suis dit on va offrir ça pour Noël, super le cadeau. Bon on va faire ça aux gens qu'on n'aime pas, hein. C'est un peu chiant surtout que bon bah on avait acheté les noisettes à Antigaspi donc là, décidément le coup, on les a bien gaspillées. Je ne pense pas qu'on va en manger beaucoup. On va voir. Demain après une petite prise au froid. Donc là on va aller à la douche. Ouais. Et ben go la douche. À la douche, je vais boire un petit verre de kéfir. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que certains connaissent. Donc c'est la maman de Jus qui nous fait ça. C'est une boisson bonne pour la digestion, essentiellement. Faite avec du kéfir, du citron ou des figues selon le goût. Donc c'est une boisson un peu... nous on trouve qu'elle ressemble un peu à du cidre. Donc elle est pétillante. Et voilà, c'est très bien pour la digestion. Il y a une petite... algue fermentée, je sais pas comment c'est. Je sais pas si c'est une algue, je pense que c'est pas une bactérie, mais une. Bah, vous allez nous dire. On va regarder. Ma mère, elle répète à chaque fois, mais on oublie. Mais c'est super bon. C'est vraiment un petit goût de pomme, de poire. Ouais. C'est sympa. Ça fait digérer, donc c'est parfait. On dirait que j'ai déjà pris ma douche. Ça y est, il est 20h50. On a pris notre douche, ça fait trop du bien. C'est lavé les cheveux. Oh, on a fait 2 shampoings du coup. Nous, on adore prendre la douche le soir, ça nous lave de la journée. Et après, on se dit qu'on se met dans nos pyjamas propres, dans nos draps propres. Et ouais. ça peut vraiment changer notre morale. On avait de la fatigue aussi. C'est vrai que quand on n'est pas bien, vers 18h et tout, on se dit, on va prendre une douche. Et après, tout de suite... Puis nous, on prend toujours la douche ensemble, du coup, on est toujours en train de discuter dans la douche. C'est vraiment notre moment intime à nous. Mm. On se raconte la journée. Bon, bah là, en l'occurrence, on passe nos journées ensemble. Donc, mais même, la douche, quelque chose à se dire. Ouais, tout le temps, on discute. D'ailleurs, on voulait savoir quand est-ce que. Parce qu'on a des débats sans fin avec des gens qui prennent des douches le matin. Ouais, nous, on adore prendre le. On est vraiment team douche le soir parce que le matin, moi, franchement, je préfère dormir 5 minutes de plus. Plutôt que de prendre ma douche. Hein. Moi, ça me donne froid de prendre la douche. Ouais, j'ai la flemme de prendre la douche le matin. La seule douche du matin que je vais aimer, c'est soit il fait chaud la nuit et que je prends une douche fraîche. Tu transpires la nuit. Soit que après mon sport le matin, ça j'aime bien. Mais... En tout cas, on ne peut pas aller se coucher sans une douche. C'est vrai que certains week-ends, on ne se douche pas. Mais c'est quand vraiment la journée, on ne fait rien. Quand on sait que le week-end, on reste. On ne fait rien. C'est-à-dire, on reste dans le canapé. À la maison. Pas utiliser de l'eau pour rien. Hein. On n'est pas sale, on n'a pas bougé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes plutôt du matin ou du soir, les deux. Ouais. Ne commencez pas à me sortir, moi je suis team baignoire. Okay. On n'a pas de baignoire encore, nous, d'accord ? Non. Donc voilà. Donc il est 9h, on va... Ressenti 4h du matin, j'ai l'impression. On va aller juste grignoter un petit bout et puis... Et je pense qu'on va se mettre au lit pas trop tard, parce qu'on est un peu crevé. Ce soir, concrètement, nous allons manger un bout de pain, un peu de kéfir. Ah ! Et peut-être un peu de ça, chérie. Un peu de pâte à tartiner. Tu veux bien l'ouvrir et nous montrer ? Avec joie. Elle est encore liquide, mais... Ouais, elle est encore liquide. Elle sent quoi ? Tu vois ? Franchement, ça va. Mais on n'a pas le pain en odorat là-dessus. Du café. Je vais essayer avec le pain. Finalement, c'est pas si mauvais. Il y en a une qui aime apparemment. Avec un peu de pain, ça passe super. Bah t'es contente, on a 3 pots. Bon, il est, je sais pas quelle heure, il est 22h30 et on a décidé de se mettre au lit pour la fin de la soirée. Se caler un petit peu devant l'ordi et puis, profiter un peu l'une de l'autre. Donc c'est chose. On va regarder un petit peu un petit truc en attendant là avant de s'endormir et puis et on vous fait un update tout de suite après pour vous dire 2-3 trucs pour demain. On se retrouve tout à l'heure.
Donc, il est 23h30. On va aller faire dodo. Escalier. On va aller se coucher. Je dors, on adore. Du coup, on laisse. Je pense qu'on va laisser les fenêtres ouvertes. Pour dormir avec le bruit de la pluie. On a mis trop. Sachant qu'il fait 14 degrés, de toute façon. Et que même s'il y a des moustiques, on a notre moustiquaire dans notre lit à baldaquine, comme on aime l'appeler. Déjà, merci beaucoup pour les commentaires que vous nous laissez sous nos vidéos. Oui, merci. Ça nous fait vraiment trop, trop plaisir. Vraiment. Oui, merci beaucoup pour tous les messages que vous nous laissez. Ouais. C'est toujours chouette de voir vos commentaires sous les vidéos. D'ailleurs, vous nous avez demandé dans un des commentaires comment on allait faire avec nos cadeaux. Et... on avait déjà prévu plus ou moins des cadeaux pour la famille, mais du coup, ces cadeaux-là, on les distribuera quand on pourra. Et sinon, pour nous, on s'était quand même fait quelques... C'était rigolo parce qu'elle voulait des trucs, je voulais des trucs. Du coup, on s'est acheté à peu près pour le même montant les choses d'une à l'autre. On les a pas encore reçues. On s'était dit qu'on ferait éventuellement un petit Noël juste entre nous. Mais plus tard. Mais plus tard, se faire un petit... En janvier. Oui. Sauf que là, on se retrouve toutes les deux le soir de Noël, donc sans vraiment rien avoir à s'offrir. Mais du coup, comme jeudi soir, on va se retrouver... toutes les deux. On va quand même... marquer le coup. Je pense déjà qu'on va se faire un bon petit repas comme on a l'habitude de faire. Donc on va se faire un bon petit repas. Et du coup, peut-être que pour les cadeaux, on s'est dit, pourquoi pas se dire, allez, on a une heure pour... Allez, chacune de son côté. Dans une heure, on se retrouve rendez-vous ici. Chacune part de son côté pour trouver un cadeau à l'autre. Une petite surprise, quelque chose qu'elle aimerait bien. Ou on va essayer de réfléchir à comment on pourrait faire la chose, du genre... ouais. Si on impose un budget, ouais. Si on met un thème, je sais pas si ça va être rigolo ou si ça va être... quelque chose qu'elle voudrait pas jamais demander ou tu vois. On va réfléchir à ça. Vous verrez les cadeaux qu'on va se faire. En tout cas, peut-être qu'on vous les montrera pas dans le vlog, mais en tout cas, on vous montrera comment on va essayer de les choisir. Pas comment on va le montrer, parce que moi j'imagine... voilà, qu'on filme chacune de notre côté, oui. Comme si, limite, on pourrait nous faire... toi, tu t'occupes de ton montage. Une espèce de crossover. Même vlog, chacune a sa partie, mais chacune monte sa partie pour pas qu'on voit la partie de l'autre. Exactement. Vous verrez tout ça demain. On va réfléchir, mais la nuit porte conseil. Mais merci d'avoir regardé ce vlog encore une fois. Ça nous fait hyper plaisir d'avoir vos retours. De plus en plus nombreux à nous faire des retours. C'est quoi ça? J'espère que ce vlog vous a plu. Et on se retrouve demain pour une autre aventure. À demain. À demain. Tout simplement. Bien sûr. Viens par ici.